sur ma chaîne. Alors, pour une fois, je suis super contente de vous proposer un haul action. Je suis trop contente d'avoir pu trouver plein de choses vraiment. Voilà, pour une fois, je me suis dit, tiens, en me promenant, je vais. On a du soleil aujourd'hui, en me promenant, je vais aller voir, faire un tour comme ça à Action, mais je suis trop contente. Donc, j'ai déjà pris des lingettes, hein, comme ça, pour l'utilisation, nettoyer les trucs et les bidules. Alors, par contre, pour une fois, j'ai le ticket, j'ai pensé à garder. Par contre, ça se trouve où? Voilà, c'est 1,98 le paquet et du coup, j'en ai pris deux. Donc, je suis contente. Là, petite réserve. Alors, ensuite, j'ai trouvé ça. Il n'en restait que trois, c'est dommage, sinon j'en aurais pris plus. C'est des rondins de bois ovales. Donc, bon, ils sont un peu abîmés là. Mais franchement, le prix, ça valait le coup. Et là, ça peut se cacher par un branchage ou autre. Donc, voilà, il y en avait trois, j'en ai pris trois. Donc, les trucs de bois, je vais vous donner le prix. Je vais essayer de ne pas faire vite, pas aller trop doucement. Ouais, 2,97 le rouleau. Qu'est-ce que je comment le disque de bois en ovale, donc 3 euros très franchement, c'est beaucoup moins cher de ce que j'ai payé, ce que j'ai acheté pour mes décos de Noël, et comme ça je pourrais faire plein de décos sur bois. J'adore ça, je suis trop contente. Vraiment, je m'attendais pas à trouver ça. À trouver ça à Action. Hein. Dommage qu'il y en avait que trois, parce que sinon j'embarquais tout ce qu'il y avait. Ensuite, j'ai repris des boîtes comme ça que Nadia m'avait offert. Elles sont hyper pratiques, elles sont empilables et vraiment, je trouve ça super. Donc, j'en ai pris deux paquets. Alors, le prix, faut que je cherche parce que là, pour une fois, j'ai plein de choses. Je suis trop contente. Alors, les boîtes 7,96 les 4 boîtes, mais ça fait rien. Mais je crois c'est ça. Non, c'est ça. Hobby organisateur, c'est ça, je crois. Ouais, je me trompe. Le hobby, c'est à 2,98. Ce qui est à 7,96, j'y pose derrière moi. Hop. C'est ça en fait. Je me suis repris des peintures acryliques parce que j'ai un projet, encore un projet. Je vous ai dit hein, qu'on allait faire. C'est des créations autres que le scrap. Ce super projet, ça pourrait faire partie du scrap. Mais bon, j'ai un certain projet et même de la peinture, j'en avais plus. Ça faisait longtemps que. J'avais que comment que j'avais la mienne, elle a séché et tout, du coup voilà, fallait que je renouvelle et il y avait cette grosse boîte là, comme ça voilà, j'ai toutes les couleurs, c'est tout en bidon et je trouve ça super bien. Donc là, je vous dis, là je suis contente. Hop. Donc, elle faisait 7,96 la grosse boîte. Il y en a 20 dedans. Hop. Mais au moins, en bidon comme ça, je suis super tranquille. Après, j'ai pris un Massimo. Là, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. J'ai gardé l'autre. Mais c'est bien d'en avoir deux. Comme ça, je pourrai en mettre sur mon deuxième, bureau là-bas. Ça m'évitera de toujours courir après mes Massimo. À matrice de découpe 6,78. Non, c'est pas ça. Alors, pince 7. Je
Je sais pas où aller. Ma truc là. Je ne trouve pas. Bon, tant pis, j'ai pas le truc. Ça commence quand même augmenter les prix. Hein. Je trouve pas le prix. Alors, c'est embêtant. Je cherche. Hein. Ah, rogneuse avec l'âme, ils appellent ça. 3 euros, 2,99. Hop, ça vaudra ce que ça vaudra, hein, ce prix-là. J'ai pris un tableau comme ça, c'est justement parce que j'ai un projet. Et si vous avez l'occasion, enfin, vous attendez que je vous fasse le projet, mais ça va vous plaire, c'est nouveau et franchement, ça va trop vous plaire. Enfin, j'en suis à peu près sûre, on va dire. Donc, j'ai pris un tableau comme ça. Alors, le tableau. La toile, donc 1,99. Donc, 1. Elle fait 30 par 40. J'aurais pu avoir un peu plus petit, j'aurais pris plus petit, mais il restait que ça. Alors du coup, j'ai pris ça. Et après, je vous fais voir. Après, j'ai pris plein de blocs, c'est trop bien. enfin, je suis contente, je ne sais pas si vous les aurez vus. Donc, je ne sais pas, bloc design 30-30. Ah oui, ils sont à 2,69. Alors, je vais. Oh là, je suis hyper contente. Ils sont trop, trop beaux. Je vais essayer de vous descendre comme ça. Alors, hop, je vais essayer de faire assez vite que ça prenne pas trop de temps. Mais regardez, oh, avec les oiseaux, oh là là, le lilas et tout. Il est trop beau. Donc là, il y en a deux comme ça. Là, c'est des verts à petits points. Oui, je pense que vous voyez bien. Là, c'est des feuilles de lilas. Donc, en plus, dans mes couleurs, pour de futures créations, là, il est violet et il a comme des petites branches. On voit mieux là, comme ça. Donc, là, c'est plein de petites fleurs. C'est des raisins. Hop, des raisins ou des feuilles, je ne sais pas trop. C'est un peu petit. Après, il y a comme ça. Alors, celui-là, c'est pas top. Disons qu'on l'a tellement vu. Celui-là, il est plutôt dans les tons bleu, vert. Comme ça, avec des petites fleurs. Comme ça. Oh, il est trop, trop beau. J'adore. Donc, à chaque fois, il y en a deux. Hein. Là, c'est pareil. C'est du lilas. Pour le printemps, vraiment. Là, c'est un fond avec des petits octogonales. Donc, on voit mieux comme ça. Là, un fond bleu avec des petits points, des petits cœurs. Là, c'est trop chargé pour moi. Hein. Mais bon, dans une carte ou une autre création, voilà. Là, il y a du vert, toujours avec des petites branches. Et là, c'est des petites pensées violettes. Elles sont trop belles. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Là, il y a les étiquettes. Donc voilà, pour celui-là, c'est ça. Je ne vais pas lire le titre. Hein. Donc, je suis contente. Et de 1 et de 2. Celui-là, enfin franchement, les trois, ils m'ont plu. J'en ai pris trois, les trois m'ont plu. Hein. Donc là, hop, là c'est dans les tons roses. Là, un peu, je dirais, c'est un rose foncé ou moi je dirais plutôt bordeaux et noir. Il est tout brillant, il est magnifique. Hop, donc là il est en gris. Gris noir. Là c'est une grosse tache de peinture. Hop, là c'est plein de petits cœurs. Donc il y en a deux. Là, c'est comme ça. Il y en a deux aussi. Là,
Les roses, on les a déjà vues, celles-là. Là, le fond comme ça, qui est magnifique, plusieurs tons de roses, c'est sublime. Hop, après, c'est comme ça, j'aime pas du tout. Des cœurs rouges, sur un fond rouge, quoi. Là, des magnifiques roses, les roses anciennes, moi, je dirais. Là, taché noir, bof, ça, c'est moyen, hein, je dirais. Là, ça, c'est joli. C'est comme des petits, je sais pas, des petits oiseaux, des petits trucs, je sais pas trop, mais bon, c'est joli quand même. Le fond comme ça. En rose comme ça. La rayure, parfois, c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux, mais parfois, pour faire des fonds de carte haute, c'est utile. Là, c'est pareil, tâche. Et là, du coup, moi, j'ai bien aimé, c'est les étiquettes-là. Donc, il y a deux pages d'étiquettes comme ça. Hop. Donc, c'est tout au même prix, hein. Et le troisième, fraîche fruity. Celui-là, j'ai eu du bol parce que je suis arrivée, il n'y avait plus de blocs. Et quand je suis arrivée, elle a posé un carton de blocs. Hein, donc les trois blocs là, hop, j'ai tout de suite, elle a posé, j'ai pris. Hein. Enfin, pour une fois que j'avais le droit de quelque chose. Pardon, je vous fais bouger. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est des petits bambous. Il y a des feuilles de bambou avec c'est Ah mince, j'ai perdu le nom. Bon, bah tant pis. Voilà. Mais magnifique, hein, en bleu jaune comme ça. Là, il est plutôt mauve. Là, franchement, pour cet été, il est sublime. Là, comme ça. Là, c'est des petits chiens. C'est marrant, c'est rigolo. Là, c'est des points bleus. Hop, là, c'est des petits citrons. J'adore. Vraiment, celui-là, c'est mon préféré. Celui-là, ouais, et puis le premier, là, on retrouve des petites marguerites. Là, c'est un fond jaune. Ça donne envie de soleil. Hein. Des pandas, voilà. Alors là, c'est la même chose. C'est des petits pandas avec le bambou, des feuilles d'eucalyptus. Voilà, sur du jaune. C'est super joli. Moi, j'adore. Là, c'est du gris à rayures. Donc après, hop. Il y a du fiole et non. Là, c'est des petits chiens. C'est rigolo. Là, c'est des carreaux blancs, bleu et blanc. Hein. Là, c'est encore des chiens. Ils tiennent un petit truc dans une petite branche ou quelque chose dans la bouche. C'est super joli. Là, des fleurs bleues. Hop, bah là, c'est pareil. Les étiquettes, elles sont super. Vraiment, je trouve super chouette. Je suis super contente d'avoir trouvé ces trois blocs-là, Action, pour une fois. Donc voilà, alors j'en reviens à mes trucs. Alors ensuite, je vais essayer, voilà, j'ai repris des stylos comme ça. Là, comme ça, quand je mettrai, c'est pour des créations futures. Pour Noël ou pour un anniversaire, je ne sais pas. Donc, la boîte de stylos, elles sont à 99 centimes. Ensuite, un disque, ça c'est fait. Les œufs de Pâques. Voilà. Ça, c'est ceux-là. Non, c'est lesquels? Ouais, ils sont tous imprimés. Bon, alors ceux-là, ils étaient à 1,98, donc il y en a 6. Bien sûr, c'est pour des futures créations Pâques, donc hein, c'est des œufs en plastique. Hein. Voilà, il y a comme ça, il y avait comme ça que j'ai pris en vert, c'était joli. De toute façon, après, voilà, j'ai pris ce qu'il y avait. Il y a des papillons dessus, c'est super joli.
Et là, en blanc, avec des petites fleurs. Je n'ouvre pas, mais bon, j'espère que vous voyez. Et donc, lui, il est à 1,59. Donc, là, ensuite, les autocollants, ils étaient à 3,38. J'en ai pris deux boîtes, mais je pense que... Donc, c'est toujours pour des créations pour Pâques. Hein. Et oui, je prépare déjà Pâques. Hein. Alors, hop, donc... Il y a des petits lapins comme ça, il y a des petites poules, des petits poussins. Là, c'est des petits poussins dans un poussin dans un panier avec des œufs. Ceux-là, je les avais vus, j'ai dit, oh, j'aimerais bien les avoir et je suis contente de les avoir. Donc là, c'est le petit poussin, là, c'est un petit lapin rose. Je pense qu'il y a plein de trucs différents. J'en mets partout, c'est pas grave, je voudrais pas que ma vidéo traîne de trop quoi. Vous avez comme ça aussi, là les paniers on a vu, enfin bref, il y en a plein. Donc, et du coup j'en ai pris deux boîtes, je sais pas combien il y en a là-dedans, mais il y en a 200 stickers. Donc, j'en ai pris deux boîtes, je pense que c'est les mêmes. Voilà. Comme ça, j'ai une réserve pour l'année prochaine et pour envoyer aux copinettes. Hein. Donc, je vous ai dit 3 euros, je ne sais plus, 38. Après, j'ai repris un sachet de pompons comme ça. C'est vrai que j'aime bien ajouter des pompons parfois dans mes créations. Donc, les pompons, ils étaient à 59 centimes. Hop. Je me suis repris, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Les pompons, ça, elles étaient à 3,39. J'ai pris deux comme ça, un que j'offrirais. J'ai beaucoup aimé, il y a le cerf, le renard, le lapin, et ça doit être, je sais pas, un chien ou quelque chose comme ça. Enfin bref, j'ai trouvé ça sympa. Moi, surtout pour le cerf, là, pour l'hiver, le dice, j'ai trouvé qu'il était joli. Et du coup, il y a un petit oiseau aussi, là. Et donc, j'en ai pris deux, un que j'offrirai. Après, j'ai repris plein. J'ai pris une boîte comme ça. Vous savez, Nadia m'avait offert en violet. Donc, j'ai pris en rose. Comme ça. Donc, elles font 1,99. Je pense qu'il y en a une ou deux que j'offrirai. Là, j'ai pris celle-là parce qu'il y a du jaune. Et j'aime beaucoup. Et là, des petits boutons orange. Enfin, bref, pour cet été, voilà. Donc, j'ai pris comme ça. Là, j'en ai pris deux boîtes, d'ailleurs. Tellement que ça m'a plu. Et deux boîtes en rose. Ouais, parce que, voilà, je pense qu'il y en a une que je vais offrir. Et alors, ensuite, j'en étais... Après, j'ai pris des pailles. Pareil, hein, pour cet été ou ce printemps. Alors, orange, jaune et vert. Et du coup, les pailles, j'en ai pour 2,25. Vous voyez, hein, 18 minutes, pour une fois, j'ai plein de trucs. Je suis trop contente. Après, j'ai pris des pinces comme ça. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon, il y en a un. C'est pour moi un petit ciseau. Là. Voilà. Il y en a un, c'est pour moi. Et l'autre, c'est pour des créations. Pour mettre dans certaines créations. Mais sans mettre le pot. En fait, moi, voilà, je voulais juste récupérer le pot là. Et ça, à Bobas, on en a toujours besoin. Elles sont couleur or et j'aime beaucoup, il y a couleur noire. Hop, donc voilà. Donc moi, j'ai pris pour le pot, mais ça, je m'en sers aussi. Et j'en offrirai, j'en mettrai dans des créations pour la rentrée des classes ou je ne sais quoi. Et donc, le pot, j'ai dit... 1,68. Donc j'en ai pris deux. Et du coup, ouais, après, c'est tout bon.
Je me suis juste repris un petit ciseau. Je ne sais pas où il est, le ciseau. J'ai loupé le ciseau. Le ciseau, de toute façon, il doit être dans les 1 ou 2 euros. Autocollant, couleur, un. Enfin, bref, peu importe. Ouais, je sais pas où il est, mon petit ciseau. Là, ouais, voilà, 68 centimes. Donc, voilà pour mon méga haul pour une fois. Pour moi, c'est un méga haul, hein, parce que c'est. Ça fait au moins 4 ans que je n'avais pas retrouvé autant de choses comment, à Action. Hein. Là, j'ai vraiment eu du bol. J'y suis allée ce matin en me promenant juste comme ça. Et en fait, ils étaient en train de remplir les rayons. Du coup, j'ai attendu un petit moment. Je me. Voilà. Et il n'y avait personne dans le magasin, mais c'était le top du top. Hein. Vraiment, je suis super contente. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.